Bienvenue sur Far Cry 5. On va défoncer du taré jusqu'au bout de la nuit et c'est libérer les religions. Donc, il va falloir tous les exterminer. Surtout les trois principaux pour pouvoir attaquer le père. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Et pensez toujours à lâcher le petit j'aime, le petit commentaire. Et l'abonnement, oui, toujours vers le petit Deadpool, hein, là, qui est là. Là, il est ici. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Salut les amis. Hey, on se retrouve de nouveau. Donc comme vous avez pu apercevoir, on a fini les pièges à loups, on les a exterminés et on va s'attaquer à la dernière quête qui se cache par là. Oui, comme ça au moins les pièges à loups c'est fait. On a eu les emplacements afin de débloquer tous les camps, enfin les postes avancés. Tout à fait, plein de genres d'animaux. Il en reste un. Et voici, c'est bon madame. Nous avons de la peau à récupérer. Alors. Peau abîmée. Ça on prend. Les vinyles. Mais après je vais pas faire la quête des vinyles, des poteries, machin. J'ai pas envie de me prendre la tête. Alors, il y a une note juste là. Je me rappelle de mettre pause pour la lire en entier, parce que moi je la lis en moment du montage. Alors. Merde. J'ai bien cru que j'allais y rester. Non, on vous a sauvé les miches. Merci de m'avoir aidé. Au fait, moi c'est Sarah. Sarah Perkins. J'étais à la tête d'une équipe chargée d'étudier les loups du parc, mais. Mais on a. Eh bien, on a trouvé ces choses. Ce sont des loups, mais. J'en ai jamais vu de pareil. La secte les appelle des juges. Ils sont plus gros, plus forts et plus résistants que les espèces du coin. La secte a voulu forcer mon équipe à l'aider. Quand on a refusé, elle a lâché ses choses sur nous. Ellie et les Whitetails m'ont sauvé. Et depuis, je fais tout pour leur envoyer l'ascenseur. Je pensais que les choses se calmeraient avec la mort de Jacob. J'avais tort. J'ai une théorie qui pourrait nous permettre d'utiliser la formule de la secte pour traquer ces créatures. Mais j'ai que des cadavres pour l'étudier. Il me faut un juge vivant. Je sais que je vous demande beaucoup, mais j'ai pas le choix. La secte les dresse dans un vieux camp de vacances, le Breakthrough. Si vous faites ça pour moi, je pourrais concevoir quelque chose pour vous aider à traquer ces bêtes. Je vous rejoindrai au camp quand la voie sera libre. Ok, ça roule. Je savais qu'il y avait un labo dans le coin. J'imaginais pas. Alors, c'est parti. On va larguer nos amis parce que là, il va falloir être un minimum discret. Voilà. Et la quête n'est pas lancée. Alors... C'est Adélaïde à la marina. On a les tarés sur le dos. Oui Adélaïde, on s'occupera de toi plus tard. Et c'est le camp est là. Et vu que... Il n'y a rien de plus à part des défis juste là. Alors c'est pareil. Ok. On ira chercher ceci. Et let's go les amis, on se retrouve là-bas. Eh oui les amis, on arrive. Toute mon équipe a été enlevée et balancée à ces monstres pour qu'ils s'entraînent. J'ai eu beaucoup de chance. Donc ils sont morts. Ok. Donc dans la théorie, ça veut dire qu'il y a du people. Ça fait des mois que j'observe ces juges. Et franchement, ce
En gros, Jacob et ses soldats ont injecté à ces pauvres loups une sorte de drogue. Aucune idée de ce que c'est, mais ça les change en machine de guerre. Moi, je vais vous dire ce que c'est. C'est la grâce. Bon, bah ça c'est fait. Je me disais, c'était trop beau, ça fait trop d'épisodes que je suis pas mort. Je survis dans Seven Days to Die, je survis dans Ark, et je survis dans Far Cry. Il y a bien un problème quelque part. Et bah je l'ai trouvé. Vous étiez là pile au bon moment. Toute mon équipe a été enlevée et balancée à ces monstres pour qu'ils s'entraînent. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai failli y passer aussi. J'ai aucune idée de ce que c'est, mais ça les change en machine de guerre. On va atterrir et voir ça en personne. Le pire, c'est que la secte a l'air de pouvoir contrôler ces animaux. Ça paraît fou, je sais, mais j'ai vu les juges suivre les ordres des humains. Bonjour. Ce qui me fait peur en histoire, c'est que je crois pas que les loups soient les seuls à servir de cobayes. Bonjour. Ok, la voie est libre. Une seconde, je suis presque. Il a pris quoi le tuto Bon, tiens. J'arrive par la tyrolienne. Bon, cet endroit me fout les jetons. Ouais, en effet. Il y a de quoi. T'arrives par la tyrolienne. Ok. Ah, ok. D'accord. Ouvrez la porte qu'on puisse commencer. Celle-là? Ok. Maintenant la meilleure partie. Attirez-en un à l'intérieur. Je vois aucun juge ici. On doit trouver un moyen de les attirer. J'ai une idée. La cloche du billet. Ramassez le cadavre d'un dresseur et placez-le dans la mangeoire. C'est pas bien, vous verrez. Dès qu'on sonne, ils accourent. Alors là-bas, nous avons. Ah d'accord, c'est le juge que j'ai exterminé. Ok. Donc ils appellent ça un dresseur. Ah ouais. Remarquez. Hop hop, ouais. Et là-bas. Ah d'accord, il y a trois cadavres, faut qu'on en fouille un. Ah, placer le cadavre d'un dresseur. Yop là. Allez, viens là mon pépère. Lâchez le cadavre. Oula. Donc pas bouger. Ah, trop tôt. T'essayes de me déchiqueter le beefsteak. Ok, bon, à condition que ça veut bien se relever. J'ai le juge. Non, t'as pas faim? Eh? Ah bon? Ah! C'est moche. Super, j'ai eu la confiance. Je suis l'homme de toutes les situations, je vous signale. Problème respiratoire. Il a inhalé quelque chose. Voilà. Je vais percer tes secrets. T'en fais pas. Je sais pas comment vous remercier. Avec cette bête, j'ai tout ce qu'il me faut pour synthétiser une formule. Tenez, d'accord. Prenez cet échantillon test. Ça devrait vous aider à chasser ces créatures. Ok. Alors. Donc, maintenir A dans la roulette, E, et appuyer sur F. Donc, A, maintenir la roulette, E, alcool, orito.
T'aimes la drogue? Ça donne tout à fait ça. Lieu de pêche. Y a-t-il autre chose là-dessus? Non? Non. Donc voilà. Alors, nous avons dit aussi, mes amis, que nous devons. Que nous avons. Plutôt. Tout fait. Après, c'est des défis. Hein? Ouais. On va remonter comme ça. Prison Moltens, ok. Quête annexe, il n'y en a plus. Ça, c'est des camps. Donc, c'est pour ça, on va partir ici pour aller faire ce petit point-là. Et comme ça, vu qu'on a fini la région, on s'attaque à la nouvelle. Alors vous verrez, c'est une qui est assez spéciale. Alors, voyons voir ce qu'il nous dit. Mon cœur a contenu un cœur qui est enfoncé avec la drague. Donc il va falloir qu'on zigzague dans la drague. Ok, let's go. Les canards. Coin, coin. Des plumes. Lire. Un peu de natation, ça vous tente. Avant, on va regarder les compétences. Est-ce que j'ai mis un point? Oui, dans ce scaphandre. Très important. Alors oui, j'ai des points à dispatcher, je n'ai pas encore fait. Après, lesquels utiliser, parce que celui-là, je n'utilise pas plus. Ça, j'ai la réparation automatique. Ah bah si, j'ai trouvé. La santé en priorité. Eh oui. Alors, je sais pas, le fusil à pompe, j'utilise pas. Lance-roquette, c'est pareil, il faudrait. Et mitraillette, c'est ça? Fusil à pompe et mitraillette, ouais, les choses que j'utilise pas, quoi. Alors, l'entrée est par là, de la dragon. Alors, il y a de la grâce dans l'eau. Ce qui fait qu'on ne voit pas bien. Donc ça veut dire que ça doit être un taré qui a foncé dedans pour pouvoir faire le bazar. Allez. Alors ensuite, nous avons un autre chemin par là. Il faut monter par ici. Là. C'est vrai que je connais déjà une première fois. Et voilà, on a reculé tout ça, maintenant faut sortir. Et qui dit une sortie, bah prendre le même chemin. Tout simplement. Se baigner dans la grâce du Seigneur. Bah, je sais pas si c'est réellement la grâce du Seigneur ou quoi que ce soit, mais. Dans une drogue, oui. Nage. Respire, nage. Alors, il y a un truc qui a explosé là-bas. Je crois que c'est un bateau rempli de grâce. Mais on s'en fiche, on va aller chercher le bunker. Nage. Yolé. Bon. Nous sommes arrivés dans la cave. Et tant qu'à faire, c'est inondé de partout. Donc on va suivre les dédales. Il y a un point d'oxygène ici. Prendre l'oxygène avant. Et c'est reparti. Malgré qu'on a le kit pour plonger plus un peu mieux, il y a l'air à l'envers. Et voilà. Il y a un serpent quelque part. You. Un mot, je les aime pas là, eux. Il m'aura pas tué.
n'y a pas d'autre à prendre, rien. Bon, je vais sortir par ici. Aïe, on perd, ça sert à rien. L'avantage, c'est de connaître, on gagne du temps quand même. Il y a certains jeux comme ça qu'on adore et qu'on continue. Et j'avais pas fait attention que l'accès était par là. Donc voilà les amis, ça c'est fait. Et on peut... Ça fera trop loin. Prendre un hélicoptère et peut-être essayer de faire cette cache de survivaliste au final. Où celle-là, il y en a tellement. Là, il y a un hélico et on peut partir à celle-ci. Ouais, c'est une bonne idée. Comme ça, on aura fait deux cages de survivalistes. Oui, on retourne dans la région de John. Non, de John. Attendez. Joseph, John, Jacob, si John. Pour pouvoir passer. Non. En fait, c'est des J. Bonjour, nous trouvons un Yolo Telkarai. Là-bas. Après, c'est vraiment loin. Rappelez-vous, c'est la mine qu'on a fait tout péter. C'était marrant, c'était tout beau. Donc c'est pour ça, on va passer dans la boutique, prendre un petit hélico et se rendre là-bas. Ah, j'ai de la vente à faire. Hop là. Alors oui, j'ai exposé un canard, j'en avais pas encore tué. Enfin, du moins tué, chassé, excusez-moi du terme. Hein. Que ce soit un peu plus gracieux, voyez. Oh, quel idiot. Je monte côté passager. Donc, on va se rendre à la cage suivante. Comme ça, on aura bien commencé la nouvelle région au final. Eh oui, les amis. What? Ils sont tous morts. Comme ça, c'est réglé. Non, mais on va pas se laisser enquiquiner par des méchants. Donc, oui, nouvelle région, nouveau départ. Rappelez-vous, on avait quitté l'île de Dutch par là, je crois. Où j'avais fait la nage. Trop de mémoire, tiens. Non, oui, un ego surdimensionné là-bas. Oh, chouette, c'est la maison hantée. Elle est rigolote, celle-là. Mais sympathique à faire. Alors. Il faut donner... La maison hantée. Du calme, loup. Tout va bien se passer. Ce qu'ils sont mignons, c'est qu'ils nous ont laissé une voiture. deux fois, vous vous rendez compte, deux fois. Pour faire ça. Pourquoi tu prends la tyrolienne? Ah non, c'est vrai que celle-là. Quelle nulle. Je crois que je cherche à accélérer, il faut pas. Voilà. Ouais, j'ai eu mon permis dans une pochette surprise. Surtout dans ce jeu-là. Ouais, mais il y a des choses à récupérer. On va déjà y récupérer et après on va attaquer ça. Comme ça, ça sera bon. Jamais non dessous et appeler les oh une BD zombie oh mais c'est là qu'on active le courant donc le courant est activé donc on peut aller dans la maison hantée. Bonjour. Oui, j'adore le bras qui monte. Là, il y a un ennemi. C'est un vrai, un faux, je ne sais pas. S'il obtient un vrai, le... Mais...
Pourquoi avoir mis ça, je ne sais pas. Original. Ils veulent tous votre mort en fait. L'exorciste. C'est bien fait. T'es plus que visible, c'est comme celui-là. Il est pas mal mon ours. En fait, ce qui est le plus effrayant, c'est tous ces mannequins. Un boucher? Ok. Je crois que lui, c'est le moins effrayant dans l'affaire. Je crois pas qu'il y était celui-là. Faut que je passe par où? Par là. Et après, faut monter. Comme c'est indiqué. Ah, il y avait un rat. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de la maison hantée. Ouais. Les bouquins, l'argent, tout ce qui nous intéresse. Et une caméra, il avait pas fini. Là, on a tout ce qu'il faut. Et puis sur ce, les amis, on va cesser. On va se dire au prochain épisode. Avec des nouvelles aventures, histoire de s'amuser. Alors, je pense que on va faire un petit point. Il va falloir qu'on avance et qu'on récupère quelque chose. Toute personne à la recherche d'un abri peut se rendre à la prison de Hope County. Bon, déjà, faudrait prendre un camp. Mais lequel commencer? Je sais qu'il y en a un avec un hélico. C'est celui-là. On commencera par ce camp-ci pour le récupérer, pour avoir les hélicos d'emblée et se balader sur la map. Donc sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien en attendant. Amusez-vous tant que vous pouvez. Et je vous dis à très bientôt. Allez. Salut.